Chers téléspectateurs de MRA24, comme vous le savez, dans quelques jours, le mois sacré du Ramadan arrive à sa porte. Donc nous allons faire aujourd'hui un petit micro-trottoir et demander aux citoyens belgo-belges pour savoir s'ils savent c'est quoi le Ramadan, qu'est-ce qu'on fait pendant le Ramadan et peut-être qu'est-ce qu'on boit. On verra bien. Suivez avec nous, on va voir leurs réponses. Oui. Et c'est quoi pour vous le Ramadan ? Vas-y, je t'en prie. C'est la fête des musulmans. Oui. Qu'est-ce qu'il faut encore dire de plus On fait quoi pendant le Ramadan, pendant le mois Il y a une certaine heure, c'est oui. Entre le coucher et le lever, enfin entre le lever et le coucher du soleil. Je pense, hein, je peux me tromper. Oui, exactement. Et est-ce qu'on mange, est-ce qu'on mange pas Logiquement, de ce que je connais, on ne mange pas. Pendant les périodes de jeûne, les heures voilà. De jeûne, non, mais non, après pendant oui. Les heures, on peut pas manger. Et sinon. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Oui, on peut manger si vraiment, par exemple, une femme enceinte, si on est malade ou si on sent qu'on va être malade. Oui, alors malade, voilà, c'est admis, je pense. Voilà, ou les enfants ça. Jusqu'à l'adolescence. Ou les enfants, voilà, ne sont pas tenus de comment de dire pratiquer, oui, de pratiquer le Ramadan, on va dire, allez, à fond, quoi. Et est-ce qu'on boit pendant le Ramadan ? Ah, normalement, non, je pense que non. Ni boire, ni manger, ni mettre de l'eau, on va dire. De nouveau, c'est toujours oui, le problème. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est toujours le fait que si on sent qu'on va être mal, là, oui, c'est admis. Oui, mais si tu fais la période du Ramadan, madame. Non, normalement, non. Pas voilà. Boire, voilà. Pas manger. Pas boire, pas manger. Pas de parfum, on va dire. Et voilà. Bien d'autres choses, et puis on pas va pas. Crac. On peut pas tout dire. Et pensez-vous que c'est bon pour le corps Je Pareil. Pense que ça doit être bon, oui, quand même. Il paraît que ça purifie. Surtout, ça. Surtout pour les hommes, pour perdre un peu du ventre. Pour les femmes aussi. Oui, mais on ne peut pas le dire, sinon elles le prennent mal. Nous, on ne prend pas mal, mais elles le prennent très mal. Hallo, dus eigenlijk de vraag van vandaag is, wat weet u over Ramadan? Wel, Ramadan is een vaste maand. Dat gebeurt bij Marokkanen of bij moslims, zal ik maar zeggen. Ja, in die tijd wordt er dus overdag niet gegeten. En enkel als de zon ondergaat, zoals ik zover ik weet, mogen ze pas eten. En ik denk het leukste eraan is op het einde het suikerfeest, als ik het juist heb. En om het zo te zeggen, ik heb het één keer meegedaan, dus ja. Connaissez-vous le mois du Ramadan? Oui, ça commence lundi, vous l'avez dit, c'est pour un mois. Je sais que c'est basé sur le calendrier lunaire. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Sauf que c'est entre le lever, on peut manger, boire, entre le coucher du soleil et le lever. Mais je crois qu'il n'y a pas c'est que manger et boire. Je pense aussi qu'il est demandé aux dames de ne pas se maquiller, de ne pas en faire trop. Hein? C'est le Ramadan. Exactement. Ouais. Et pensez-vous que c'est bien pour le corps ou pas? Ça, je ne sais pas. Il faudrait demander à un médecin. Je suppose que c'est une habitude et qu'il ne faut pas être trop fatigué et faire un travail physique. Peut-être qu'il y a des exemptions pour les femmes enceintes, je ne sais pas, j'espère ça, les petits-enfants, ou peut-être des travaux physiques très lourds. Mais bon, mes collègues musulmans sont des employés de bureau, donc ça va, ils ont l'air de tenir le coup. Et pour vous ? Mais je me demande aussi pour des emplois plus difficiles dans la construction, comment ça doit être vécu pour un musulman de regarder ses collègues faire mallette, comme on dit, et pendant ce temps-là, eux doivent observer jusqu'au coucher du soleil, de se retenir. J'imagine qu'ils mangent un petit peu plus avant que le soleil se lève, peut-être, pour tenir. Et savez-vous qu'après le Ramadan, il y a une fête Oui, mais j'ai oublié le nom. Pourtant, je l'ai connu, oui, je sais. Mais, Donc, quand le soleil se couche, le non, tout dernier après jour le Ramadan. Après le Ramadan. Okay. Oui, mais je ne sais plus le nom. Et ça dure combien de temps C'est des réjouissances. Mais... C'est un mois le Ramadan. Et oui, mais je veux dire, quand il est fini, cette fête Il y a un jour de fête. Un jour de fête, ok. Non, moi, je ne le savais oui, pas. Je suis, mais je ne sais plus le nom. Wat weet ik over Ramadan? Ik denk dat je dan overdag niet mag eten. En vanaf, ik weet niet, als de zon ondergaat, dat je dan mag beginnen eten. Maar zelf beoefen ik dat niet. Ik ga dat zelf niet doen, maar ja. En denkt u dat dat goed is voor de gezondheid of niet? Goh. Ik denk dat het beste is wel dat je overdag ook wel een beetje eet. Hè. Maar ik denk vooral bijvoorbeeld voetballers of zo, die mogen dan overdag niet eten en die hebben dan wel moeite met trainen en zo. Dus ik denk, het hangt er een beetje vanaf wat je beroep is ook, hè, of dat je daar veel last van ondervindt. Maar ja, ik heb wel veel respect voor mensen dat kunnen, maar ik zou het zelf niet kunnen hoor. En denkt u dat we overdag kunnen drinken?
Water, ja, dat kunt u wel drinken, denk ik. Nee, helemaal niet. Dus niet drinken en niet... Maar dat is goed geantwoord. Oké, okay, goed. Okay.